compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous. Alors, ici, nous avons différents points. Oyoto Otala Nabino, le premier point, Esa visite, il y a FCC. Oyo Bakenda Kikota, la directeur de cabinet à chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à savoir M. Vital Kamerhe. Alors, est-ce que Tokoloba, que Lelo, nous sommes en train de nous diriger vers l'accord de Makala, après l'accord de Nairobi, en tout cas, Toromé Kakolo Belango, la 4e émission Oyo. Et en deuxième point, vous savez qu'aujourd'hui est commis obligatoire, na 4e Kinshasa, yako lata masque, soki bakangi ou sans masque, ou kozala directement à arrêté, de côté la Bino Maloba, il y a Général Kasongo, Boko Yoka, Mibeko, Oyo et Utiko Koya concernant port obligatoire, il y a un masque. Et en troisième point, vous savez que la SADC a obligé l'armée zambienne de se retirer des trois territoires qu'elles occupaient dans le Tanganyika. Alors, de côté la Bino Peba, Ima, Joana, Bokotala, Negenyo, Soana, et les cas qui, en tout cas, et le Koyoto Koloba, c'est que aujourd'hui, tous ont félicité diplomatie à chef de l'État, Oyo, et permettre, en tout cas, que il puisse y avoir un issue pacifique dans Makambu Oyo, Etali, conflit, Oana, sans que les armes n'aient à parler. Alors, en quatrième point, Toko Talisabino, bah, image, il y a remise et reprise entre Tango Fort na John Numbi. Bon, bah, que John Numbi ne s'était pas déplacé personnellement, il a été représenté. Mais Toko Talisabino, bah, image, on a comme ça, beaucoup on a comment toute cette cérémonie s'était déroulée. Et en cinquième point, Togotier Labino, bah, image Moko Oyoezaki, invraisemblable, il y a 2 ans de cela, aujourd'hui, M. Lambert Mende a za pour que justice et Salema, que Batu Oyo, Batangisi Makila et Bakongolais, va répondre devant justice. Alors Togotier Labino P, Maloba, il y a Lambert Mende, comme ça, vous remontez Labino Moko, qu'aujourd'hui, avec l'état de droit, Batouébélé, Bakomiko Messana, Batouébélé, aujourd'hui, Bakomiko adopté slogan, voilà, et commis slogan, moi, comme même, il y a Batou Oyo, Babanda, qui régnait sous la dictature de Joseph Kabila, Togoti Labinope, Bahimage, voilà. Et en sixième point, vous voyez que les amis de Fachi avec ADT, donc les amis de Denis Tshisekedi, bah, Kendaki, qui ont distribué bah, masque, pour mon abino moko ba image, to bandaki na hôpital Mama Yemo, et puis to Kendaki na hôpital ya Kitambo magasin, et puis to Silsaki. Tourné na biso na centre ya bakimbangiste beaucoup moins na kati ya ba image ndenge nyonso wana esalamaki to distribuer ki ba vivre alimentaire to distribuer ki ba masque to distribuer ki pe ba gel hydroalcoolique donc nyonso wana beaucoup landango na kati ya ba image oyo et to aussi li sa émission na biso avec la visite Oyo de Salaki avec M. Lutandila Yannick, Oyaza représentant et chef de l'État, Tokenda qui na site ya Unikin pour la côte là, état d'avancement, il y a des travaux, Tokenda qui pe na Livoulou, et si il y avait eu une érosion, que la bah, population, il y a coin wana, bah, c'est Pelaki, Ndenge, des travaux, et Salamaki pour la limiter l'érosion, na coin na Bango, Ndenge, pe tronçon wana, Oyo et Salaki endommagé, a pu être réhabilité par l'OVD. En tout cas, Bogota la image wana, Bogota la Ndenge nyonso wana et les kaki. Alors, Bandeko, sans plus tarder, Topandi directement, émission Nabiso. Mais peut-être avant ça, Bobo Sanate, Bandeko, Oyo, Bolingi, Kolata, Edni, Edi, Eniki, que c'est les habits, Oyo, président, à l'Ataka, en tout cas, Togotier Labino numéro na Bango, beaucoup qui ont contacté Bango pour na kosa la ba commande na Bino. Ceux qui posent à Kinshasa, ou bien ceux qui posent à Bruxelles, ou bien posent à France, tous en a 2 numéros pour na Kinshasa, puis pour na Belgique. Et si ka bokoki ko benga Bango à partir ya WhatsApp, en tout cas ba ko pesa bino ba détail mais surtout pour na ba bilamba wana. Je crois que aujourd'hui il est temps que entre Congolais to banda ko se soutenir, to banda ko soutenir ceux qui bande ko na biso ba sali et loko moko ya malamu. Awa eza Marc moko ya ba Congolais et Dieniki ou ba vanda kan Afrique du Sud et Sengeli to encourager pe ba produit made in Congo. Donc voilà numéro na Bango yango deso apparaître na kati ya ba écran pour koki ko benga Bango pour na ko sala réservation ya ba bilamba na bino. Alors
Tobandi directement avec le premier point. Oui, bah que depuis quelques jours, il y a eu des visites qui se sont effectuées dans la prison de Makala. Donc, le directeur du cabinet du chef de l'État, parce que Nano a démissionné et n'a pas non plus été révoqué par la présidence, M. Vital Kamerhe a été visité par M. Nehemi Mwilanya, qui est membre du FCC, et par M. Basengezi. Et il a reçu des visites aussi des membres de la SENCO comme la Benchole. En tout cas, Boebake, accord Moussoussou est en gestation après l'accord de Nairobi, Oyo, qui avait permis une alliance entre l'UNC, l'UDPS et le FCC. Aujourd'hui, Togomi Komo n'a que depuis que Togomi Komo tient accent sur la justice, sur l'état de droit. En tout cas, Togomi Komo Bangisa, partenaire Oyo, il y a FCC, parce que Mingi Nabango ont des comptes à rendre à la justice. Mingi Nabango va détourner Bambongo, Boebi que les lots baoutiques ouvrir, en tout cas parquet, il y a Matete, et ouvrir dossier concernant Bukangalonzo, et ouvrir dossier concernant fibre optique. Boebi que Matata Mponyo a été convoqué le 30 juillet, il y a année Oyo, à cause à la entendu, donc lobby, à cause à la entendu, na parquet y a Matete concernant Bukangalonzo et la fibre optique. Boebi que il y a un dossier qui vient d'être ouvert. Et surtout, il faut bander mon avis sur Boeba que plus de 50 millions ont disparu dans l'affaire Oyo et Tali Fibre Optique. Donc aujourd'hui, il faut qu'on voit que avec tous les dossiers Oyo et Komiko Fongwama, avec tous les dossiers Oyo Justice et Komiko Landela et Komiko Bangisa, partenaire Oyo Bazana Kati à FCC. Boeba que le président avait promis, et c'était une de ses promesses qu'il avait fait quand il était devenu président, à Kosa Lanyo Sotou, à Kobunda, pour que Tokoïsa, dictature Namboka Oyo, et pour qu'on puisse établir un état de droit. Et bien aujourd'hui, état de droit, et ça, il est sous slogan, et il y a Monde et Komiko Salema. Alors, Awa Balobi, que tu as FCC, Balingi, ko Kata Alliance Oezana, tu as UDPS, parce que Monique est Komiko menacé survie politique Nabango, Mingi Nabango, Soki Justice et Bandi Moussala, Mingi Nabango, Bakoko Tabolo Koko. Alors aujourd'hui, c'est comme ça que nous commençons à voir beaucoup de visites Oyo et Zosalema na Makala, Pona Komeka, Kotala, comment UNC na FCC bakuki kosa la alliance ensemble babengana UDPS. Il faut koyer que na ba information oyotozui c'est que ba promettre président ya UNC c'est que a cause la libérer ce qui a coopéré et ce qui va sali alliance na FCC. Mais le koyer il faut koyer c'est que ce qui lobby alliance et salami entre UNC na FCC, il faut koyer que l'UNC n'aura pas droit à plus de deux ministères. Or, Awa, dans la répartition actuelle, Bazan a plus de cinq ministères. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on ait que Bande Konabiso, Oyo Bazan a Katia UNC, Komiko Monaco, ça serait plus avantageux pour Nabango, Soki président Nabango Abimi. Et là, il faut qu'on ait c'est que depuis la visite Wana, parce qu'ils ont la visite Moko fortuité, ils ont la visite Moko personnelle, mais ils ont la visite Moko à caractère politique. Il faut qu'on ait que Pekisi, directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, a zoaba visite Misusu Oyo Eza à connotation politique. Et à partir du début de la semaine Oyo Ebandaki, M. Vital Kamerhe ne peut recevoir la visite que de son épouse et de ses enfants, ainsi que de ses avocats. Et Nyonso Oyo Etaliba visite politique Eza strictement interdit. Voilà Bandeko, ce que nous pouvions dire sur les différentes visites que M. Vital Kamerhe a eues à Makala. Alors, ici, Tolekim Balamoko, on a deuxième point. Boebi que depuis le début de cette semaine, les masques sont devenus obligatoires. La ville à Kinshasa, il est interdit d'avoir habitant Batambola sans ba masque. Ici, les abats consignes Oyo et Utikobima. Alors, Torotier Labino Malobaya, général Kasongo, comme ça, Bolanda, Ndenge Azope sa message, Wana, Bolanda. Bandeko, Bakinoise, na Bakinois, Bolanda qui m'a conduit à Lobaki. Que maladie oyo est silité, et ont continué. A Sengaki, après ça qui mitindo,
que port obligatoire, port correct est obligatoire à basque. Mais tout le monde qui est bas respecté en côté. Alors, bas qui est sous-sous, bas qui est dispositif, il y a sécuritaire, il y a hygiène. Pour nous respecter cette barrière, c'est que place à ce qu'on a maille, on a gel hydroalcoolique, ou bien savon pour nous faire ce qu'on a beaucoup. Mais tout le monde est bien respecté en côté. C'est pourquoi, à partir de lobby, police partout, et qu'on les contrôle. Parce que la police est là, qui m'a pongi. Tu peux contrôler. Ils sont dans la balle, ils sont dans la wapi. Tu peux tuer un masque, tu peux kangi. Attends, quand tu as un moutouka. Ils sont dans le masque, tu peux kanga. Oyo, bah, établissement, ils sont dans l'établissement privé, ils sont dans l'établissement officiel, public. Tu peux tuer un dispositif, tu peux kanga. Tu peux kanga peu de place. Bah, monsieur, bah, checker ma cantine pour l'esthétique et tout ça. Mais ils ont la quantité, ça vaut la quantité. Police a collé, tu peux kanga et tigango. Nayo mokolo mokolo sika oko zala interpelle esengi toto sanibeko malade ezali esilite tola ta masque to respecte kolobate pa mate otra kaseri police akoto sanibeko parce que loi ezali arrêté a gouverneur ezali to kola nanyo soana et puis nuisance sonore bato ba moni lokola de confinement comme maseki bakasi ke loi esili bazo tia musique ko déranger bato kala mingi te kelesi ko banda. Même que là, c'était pas malade, mais ça passe liberté dans le sou qui a mon ingé bandit. Mais ta musique est pas là, et tout ça voisin. Ton collègue a qu'on saisir, ma matériel n'y a soit en nuisance sonore. Police a collègue a qu'on botte la belle couronne, et qu'on a saisi. Pose en haut, qu'on fout un mand, y a mon ingé. Alors, tout ça, il y a bien, moutou la moutou, attends, ça y a bien. À partir de l'obby, police est qu'on s'en a pour la remis tout cas, pour les obligatoires à masque. Toi, et bien, pas ses alliés, mais dans le bi, Moutoumoko Liboso, trois personnes ici. Batounio Souan et Sengeli Bata masque. Souka a été masque. Elles ont la moutouka officielle, elles ont la privée, elles ont la taxi. Nyoso, il faut masque correct et obligatoire. Même la wewa, ce que tout le monde est wewa, elle a été masque, tous mes clients ont été toko kangaye, naye, na kriyanaye. Ndenge moko, na batamitouk. À partir à l'obi, police a causé la partout. Bolobi, on va quitter. Yangoyo, elles ont la loi. Ils allaient arrêter à gouverneur, tout ça, faire respecter en moi. Oh, il y a quoi, tout ça, c'est étalé, moi. Yo, ça, na barre, na yo. Bon, quand il y a un peu de ba mesure, ba yo, ba geste, ba yo, distanciation physique, c'est que mon tu, et c'est que les azan, la musique, na yo, plus d'un mètre. Ceux qui toquent na barre, na yo, toquent na restaurant, na yo, toquent na supermarché, na, tout le monde qui, au fait respecter distanciation physique, toko kanga, peu qu'on fout à la mande, et belle, et c'est que les kotosa, malade, sinité. Distanciation physique, un mètre. Na barre na yo, un mètre. C'est que bato bazawa na bazana distance. C'est que bakanga ni place moko ou bien casino be wapi, to kanga yo. Même ba église, kala mingi te ba église kufungama. Le 15 mokonzi ya moko lobaki, le 16. Te bi ke kosa dimanche, église na yo, to sa bato za mambo distance. Et puis nuisance sonore. Et puis bato za libanda te. Soko moni esika na yo za muke etali yo. Il y a des gens qui ont 5 kits, qui ont 10 kits, ils ont des problèmes. Mais la distanciation physique est là. Et puis là-bas, jamais. Les bosses églises, basse température, ils ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui église. Ils ont des démons. Ils ont des démons. Parce que les autres sont bien côté. Voilà, Bandeko, Boebi, que nous avions un conflit frontalier qui opposait la RDC à la Zambie. Il y avait les militaires zambiens qui, depuis plusieurs mois, plus de trois mois, avant d'occuper le territoire Moko na Tanganyika Oyo qui appartiennent à la RDC. Ici, il faut savoir que la SADC a tranché, Balobi, que Eza bien le territoire Oyo, Eza Yaba Congolais, et qu'il fallait que l'armée zambienne puisse se retirer dans le territoire Wana Oyo Babandako occupé. Alors, tu retiens la bino ba image, comme ça, Bogota, la bino Moko, Ndenge, armée Wana Baplia qui bagage, Hollande. C'est le samedi 25 juillet 2020 que la SADC a résolu le conflit frontalier qui opposait la Zambie à la République démocratique du Congo depuis le 13 mars de cette année 2020. Selon les sources officielles, la Zambie a accepté de retirer dans 7 jours depuis le 25 juillet 2020 ses forces armées dans les sols congolais de Kalubamba, Libondo et Kibanga, dans le groupement Muliro situé à 350 km à l'est du territoire de Moba. C'est après le jugement de ce conflit frontalier rendu par la SADC en faveur de la RDC. En effet, le gouvernement congolais a commencé aussi à retirer progressivement depuis le 25 juillet 2020 à Moba,
Les militaires de FRDC venaient pour la mission d'aller récupérer ce village qui était occupé par ces forces zambiennes. Car selon les autorités de l'État congolais, la solution c'est ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC a été trouvée dans la paix. À cette même occasion, les messages ont été lancés appelant les déplacés de Muliro, partout où ils se trouveraient, de regagner leur milieu à Muliro. Plusieurs couches de la société civile de Moba ont dit qu'elles sont satisfaites du jugement rendu par la SADC. Selon elles, la SADC a été juste dans ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC. Mais d'autre part, ces couches de la société civile appellent le gouvernement congolais d'accompagner ces déplacés dans leur milieu de retour, car ils ont perdu leurs biens au cours de ce conflit frontalier entre la Zambie et la RDC. De Moba, Isidore Kachou, le RTNC. Voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre les images de la remise et reprise entre John Numbi et Tango Fort. Et donc, il faut savoir c'est que M. John Numbi se sent plus en sécurité au Katanga et n'a pas fait le déplacement. Il a été représenté et en tout cas, Tozana Batouébélé, Oyo, qui ont condamné un tel agissement, bah, Monique, ils ont manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie. Alors, Bissoto Kotiel Labino, bah, image, comme ça, Bokolanda, Nenge Nyoswana et les Kaki, Bolanda. Au cours de cette cérémonie, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, inspecteur général entrant de FRDC, a de prime abord rendu grâce à Dieu avant d'exprimer sa reconnaissance au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour sa nomination au sein de cette grande unité de FRDC. Par ailleurs, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel a appelé ses nouveaux collaborateurs d'être conscients et disciplinés dans le travail afin de réussir leur mission. C'est dans toutes ces circonstances et nous mettons Dieu avant toute chose. Dieu a fait grâce, aujourd'hui je suis général d'armée. Moi je pense que c'est question d'être conscient, de travailler. Nous devons nous mettre nous-mêmes en étude. L'inspectorat, ce n'est pas des postes, c'est une structure des forces armées. Si nous mettons ensemble, nous allons faire quelque chose que nous-mêmes nous allons nous mettre en étude. Je demande la conscience, la discipline et l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. Il s'y est rappelé que le général d'armée Gabriel Amissi Kumba remplace à ses postes le général d'armée John Numbi, ici représenté par le lieutenant général Pacifique Masunzu, chargé des opérations et renseignements à l'inspectorat général des FARDC. Voilà Bandeko, vous avez que Nakati à Congo central, Nungu, ils ont continué. Na Batu Oyo, Bazo Senga, démission, il y a Atu Matubwana, Oyo, Aza gouverneur, il y a province Wana. Alors, Bisso, Torotie Labino, image, parce qu'il faut qu'on voit que dans les jours à venir, il y aura une manifestation qui a été demandée pour marcher contre le gouverneur. Donc, Torotie Labino, info Wana, comme ça, Bolanda. La marche prévue le 31 juillet au Congo central est une occasion pour le peuple Congo de faire entendre sa voix et surtout d'appeler à l'applicabilité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la démission du gouverneur Atu Matubwana. Mais c'est Atu Matubwana a été démis de ses fonctions par la majorité des députés provinciaux du Congo central. Et la loi est claire là-dessus, madame. Lorsqu'un gouverneur est démis de ses fonctions, il doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions. Mais malheureusement, M. Atou n'a pas cessé d'exercer les fonctions et il n'a pas non plus attaqué la motion. Les élus nationaux et provinciaux, ensemble avec la société civile, ont décidé d'organiser une très grande marche ce vendredi 31 juillet à Matadi pour exiger son départ, mais aussi pour demander aux autorités de Kinshasa de respecter, de laisser que la Constitution fasse son travail pour les dossiers du Congo central. En ce qui concerne la société civile, cette dernière soutient l'organisation de la dite marche. La société civile est très d'accord et d'ailleurs, la population, nous qui vivons ensemble avec la population, elle est en train de souffrir, elle est fatiguée avec cette crise, elle ne veut plus de ces messieurs. C'est pourquoi nous qui sommes de jeunes leaders d'opinion du Congo central, ensemble avec nos élus, nous sommes déterminés pour que nous puissions faire partir. Rappelons que le gouverneur du Congo central a été démis de ses fonctions depuis le 4 décembre 2019 par la majorité des députés provinciaux du Congo central entérinés par la Cour constitutionnelle. Voilà Bandeko,
état de droit et komiko kota, état de droit et komiko kota na kati yaba congolais, toutes tendances confondues. Aujourd'hui, to komiko mona que batu oyo lobby lobby ba banda ko persécuter ba congolais les londe ba komiko tambola ba komiko marcher pour la justice ba komiko tambola pour qu'il ne puisse pas y avoir dans Katia Mboka Oyo, bah, arrestation arbitraire. Tomona Kiango, semaine passée avec Kalev Oyo Azalaki, Mutu Oyo Abanda Kosalaba, arrestation arbitraire et belé, mais aujourd'hui a commis défenseur, il y a état de droit. Alors ici, il faut que porte-parole, il y a gouvernement, il y a Joseph Kabila, M. Lambert Mende, ne voit pas d'objection pour que ceux qui ont fait couler le sang des Congolais puissent répondre devant la justice. En tout cas, Ezola qui s'accueille ma mentalité et comme Malembe Malembe Kokota Nakati, même Yabatu Oyo Bazala qui contre le peuple congolais. Alors, Bissoto Routier, la binova image à M. Lambert Mende, Bolanda. Sang coulé hier, alors que c'est possible de manifester. Si le sang a coulé, il est normal que ceux qui ont fait couler le sang puissent en rendre, puissent en répondre devant la justice. Je ne suis pas de ceux qui estiment que des crimes peuvent être justifiés parce que ceux qui les ont commis sont de mon camp ou d'un camp que je soutiens. Non. Si le sang a coulé, il faut que ceux qui en sont responsables en répondent. C'est exactement ce que je dirais aujourd'hui pour le sang qui peut couler aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le moment où le sang... Et qui a coulé hier? C'est toujours le sang de Congolais. Et qui a coulé hier? Mais s'il y a des problèmes qui se sont passés hier, je souhaiterais que ceux qui sont à la base de ces problèmes-là puissent en répondre devant la justice. C'est ce que je suis en train de vous dire. Monsieur... Voilà Bandeko, Ndengetoumsa Kibino, les amis de Fachi, ADT, les amis de Denise, Nyakeru, Bakendaki également, qui ont distribué des masques dans les hôpitaux, Bakendaki pe na centre ya Bakimbangiste, Bakendaki pe qui ont distribué des vivres. Togotier la bino ba image, comme ça, Boromo na bino moko, Ndenge Nyoswana et les Kaki, pour eva que nous avons été accompagnés d'une forte délégation des amis de Fachi et des amis de Denise Nyakeru. Alors, Togotier la bino ba image, comme ça, voilà. Juridique.
Voilà donc, désormais, quand on a mis les descentes ensemble, biso poto qui des descentes, tu bandaga awa, tu ceux qui s'arrêtent awa. Pour ceux qui si, moi, mon langage m'a dit, il faut que tu aies beaucoup de ça, beaucoup d'énergie. Voilà. Moi, mes mimi, maman, tu aimes pas quoi. Et c'est un beau, maman, tu veux aussi dans zaza, dans maman. Voilà. Donc, base en gros, tu sais plus ma casse. Oh, ça, mon langage depuis côté qu'on a. Il y a un tabé, il y a un Londres. Donc, tu guettes quoi. Bon, moi anglais, je ne peux pas parler anglais. I'm very happy to see you people here in my place. You are welcome. Okay? Enjoy your day. Just be strong. Okay. Donc nous sommes chez nous. Vous avez voyagé. Ah, c'est pas la business. Okay. On a qui na cuisine, à qui na cuisine. On a qui na ni na qui na cuisine. Thank you. Thank you very much. Yeah. Yeah. Nice to see you people. Allons faire nos actions. Hein. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on briefe les journalistes, parce qu'après, on peut faire ça ici. Hein. Merci pour la rencontre Oyo Nzambe. To sengi no Nzambe, aux alana bisho de début jusqu'à la fin. Oyo nyon, soto kosala lero Nzambe, to bengi yo aux ala présent éternel Dieu na makambo nyonso. Oyo nyon se koki koya ko bebi sa activité oyo to bengani yango au nom de Jésus. To sengi présence na yo e conduire biso. Yo oyo tambola ka liboso na biso comme un feu dévorant. Tambola liboso na biso comme un feu dévorant. O banda kozi ki sa eloko nyonso e kozala obstacle. To zo kende na ba site nyonso na yo. To kozonga avec succès. Eloko moko ya mabe e kokome la biso te. Accidenté, incidenté. Et loko eko bunga te mutu ako simba biso te biso pe to simba mutu te tozo kende na yo éternel Dieu tout puissant et loko nyonso o mutu asala kananzela social yo ozala ka associer na kati eloko wana parce que tozo kende ko seki sabato oyo ba ba pasata e bele ba seka kati ko loko la ke mutu e fo seka eza œuvre amour or na kati amour yo nzambo za na kati seigneur conduire biso to kende na yo. Seigneur, peut-être aujourd'hui, nous avons un combo de la Yusune Toboneni. Amen. Amen. Cordon. Cordon, cordon. Oui. Est-ce qu'on a. Tambola.
Voilà, ça c'est ce qu'on va distribuer ici. Gardez ça. J'ai besoin de deux personnes à côté de moi. Tiens. Voilà. Regardez. Le reste, ça reste là. C'est assez. Parce qu'il y a même plus que. C'est assez, maman. Je crois que j'ai même trop donné. Voilà, c'est bon. Nakati, il y a à peu près 400 malades. Par paquet, il y en a 50. Donc, tu refais ça comme moko nabatu. Hein? Et le reste, tu regardes pour la site, mes sous. Ça va? Donc, awa, tu benga directement Moutouana. Tu as un numéro. Comme ça, tu benga, comme ça, il y a un babiso. Et on va directement. C'est des amis de Fati et ADT. Nous sommes ici à l'entrée. Hein. C'est l'entrée principale. Si vous savez, l'hôpital. Au soin. C'est pour ça qu'on veut que vous venez nous accueillir et puis c'est vous allez nous faire là. Nous sommes à une centaine. Donc on vous attend ici. Par rapport à la déontologie, hein, on ne peut pas filmer les malades. On peut filmer ici comment nous allons remettre les cartons à la direction, hein, symboliquement. Mais on ne peut pas filmer les malades et après on va faire notre action d'aller distribuer aux malades. D'accord? Ça, on va là-bas, filmer. On ne va pas filmer. Oui. Vous allez juste montrer qu'on n'est pas. Vous êtes présentés. Donc nous sommes les amis de Fachi et de ADT, donc les amis de Maman Denise Tshisekedi. Continuons à sensibiliser sur les préventions et les gestes barrières à avoir par rapport au coronavirus. Vous savez que la maladie est encore là. Alors ici, on profite comme il y a des caméras pour rappeler que quand on met un masque, il faut couvrir le nez et la bouche. Souvent, nous voyons les gens, ils mettent des masques comme ça, c'est mauvais. Parce que la maladie rentre par le nez. Et ceux qui peuvent avoir la maladie, peuvent le propager par la bouche, par Nabasoi. Donc c'est pour ça que, à titre préventif, la première dame et le président nous envoient dans plusieurs sites pour continuer à sensibiliser. Alors nous profitons ici, comme nous sommes à Mamayemo, nous apportons un petit geste symboliquement pour continuer la prévention et à soutenir les actions et le programme de notre gouvernement et du chef de l'État. Donc voilà, veuillez recevoir symboliquement ces gestes ici qu'on vous apporte. Et je donne aussi la parole à M. David, qui est aussi le coordinateur des amis de Maman Denise. Merci. On a beaucoup de compréhension. Nous allons bâtir d'amis, il y a Maman Mokondi, il y a Papa Mokondi. On va continuer à expliquer le peuple, on a bâti ces barrières, il y a coronavirus. Coronavirus, ils ont une abattement sous au moins dans Zéla, à Zipika Kapoué, à Tiki Zolo. Il faut qu'on dise pas maladie, et ils ont maladie que s'il n'a noté. Il y a un papa et maman qui ont dit, tu as dit, tu as fait sa peuple, tu as fait sa peuple, tu as fait sa gel, tu as masqué, tu as fait sa gel, 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 tu as fait sa
Il y a un hôpital numéro 1 au Yazi, la Kinshasa, maman Yemo, tout en bas, de la part, il y a président, la maman président. Donc, mission à mission, les acquis. La Tony Bino Tony, ma famille, il y a ADT, la fondation. La combo, il y a communauté, il y a hôpital congolais, hôpital général, et maman Yemo, pourquoi médecin directeur, la communauté médicale, maman. Merci beaucoup d'avoir fait ça. On a organisé ça. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Ça c'est pour vous. Chirurgical, c'est pour les médecins. Oui. Et nous, on va distribuer en tissu sur. Vous avez quelqu'un pour. Ça, c'est pas pour la vente. Donc maintenant, tu peux distribuer ta masque dans le pavillon. Et je crois que tu peux ça l'envoie en 10 minutes. Le pavillon est aidé. Ça veut dire que chaque moutou a eu pavillon moko à distribuer dans la maladie. Et puis après, tu peux na site moussousou. Je crois que dans 10 minutes, tu peux aussi lire ça. N'est-ce pas? Donc tu peux t'emballer moko par malade. Moko par malade. Hein? Merci. Ok. Il fallait tous au moins 3 cartons. Hein? Vous avez combien de cartons là? Là, vous avez combien? Il faut aller combien? Mi balé, Moutumoko y a des terres ou un carton moussous. Comme ça, voilà. Et puis, ok. Voilà. Caméra, petit. Maintenant, l'équipe, toi qui m'a la moto comme ça, toi qui m'a la moto. Voilà. On va faire comme ça. Venez-moi s'il vous plaît. Attendez. On reste dehors et on se met dans une salle. Non, dehors. Bon, on va commencer. Là, on accueille juste les images qu'on ira dans la salle. Ah, ça vous dérange pas. Je ne sais pas comment vous avez prévu. Nous, bon, en fait, on avait prévu une salle, mais compte tenu du nombre où nous sommes, oui, avec la distanciation sociale. Oui, oui.
Bon, tout le monde a les masques, hein, chez nous. C'est vous qui devez aussi vous protéger. Oui. Oui, on va donner symboliquement. Alors, on va vous donner symboliquement et puis nous, on va distribuer aux malades. Et puis, vous nous donnez les guides pour les pavillons. Oui, comme ça, on va distribuer. Ok. Le médecin directeur, accompagné de son staff médical et le directeur de médecine. Moi qui vous parle, je suis l'administrateur titulaire de l'hôpital. Nous vous remercions de votre arrivée. Nous en sommes très reconnaissants. Et au médecin directeur, la parole. Dans votre camp. Voilà. Nous vous remercions. Nous tenons à vous remercier pour votre accueil. Sachez que nous venons de la part du président de la République et de la première dame, de la distinguée première dame. Nous sommes les amis de Fatshi et les amis de Denise Tshisekedi. Donc nous sommes les deux associations qui soutenons les initiatives du chef de l'État et le gouvernement. Nous voulons soutenir notre pays, que notre pays puisse aller de l'avant. Alors aujourd'hui, il faut savoir que nous devons continuer à respecter les gestes barrières. Le chef de l'État a décrété la fin de l'état d'urgence, mais ça ne veut pas dire que nous avons éradiqué la maladie. La maladie est toujours là. Et nous devons tout faire pour continuer à faire passer le message et pour sensibiliser, pour que les gens continuent à se protéger. Parce que vous avez vu, je crois, en Europe et un peu partout, il y a des deuxièmes vagues. Donc, il y a la reprise de la maladie. Alors, on en profite pendant que nous faisons cette action aujourd'hui de distribution de masques, de gel hydraulique. C'est que nous disons ceci, c'est qu'il faut savoir comment on met le masque. Nous avons un problème, nous faisons passer un message aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir comment porter le masque. Certaines personnes le portent comme ça, mais il faut protéger le nez et la bouche. Le nez parce que c'est par là que passe la maladie, la bouche parce que si une personne est malade, c'est par les soies, c'est par la salive qu'elle va contaminer d'autres personnes. Alors une personne qui peut être malade, si elle a le masque, c'est difficile qu'elle contamine, la salive reste à l'intérieur du masque. Et deuxième chose, c'est que quand vous protégez le nez, ça évite, comme je l'ai dit, qu'on puisse contaminer les personnes. Donc nous continuons à sensibiliser les personnes sur la manière de porter le masque. Et quand vous ne le portez pas, ne le mettez pas comme ça. Pourquoi ? C'est que quand vous parlez avec les personnes, si quelqu'un est contaminé, la salive peut aller se loger ici, au niveau du cou. Et dès l'instant où vous mettez comme ça, vous reprenez la maladie qui peut être au niveau du cou et vous la remettez au niveau du visage. Donc, ce n'est pas efficace. Donc, si vous enlevez le masque, enlevez-le complètement. Donc, voilà, en tout cas, aujourd'hui, nous venons vers vous pour continuer à sensibiliser et surtout pour continuer à soutenir les actions du chef de l'État. Donc, comme vous voyez ici, la plupart des actions ou des masques qu'on va vous donner, la plupart ont été faits grâce à la cotisation de nos membres. Donc nous le faisons parce que nous nous disions que nous ne devons pas nous demander qu'est-ce que le gouvernement ou le président ou les ministres peuvent faire pour nous, mais qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous pouvons faire pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc voilà, c'est comme ça que le président de ADT et moi-même le président des Amis de Fatshi, nous sommes ici devant vous pour vous donner ce petit geste qui n'est pas grand-chose, mais qui est juste symbolique et pour continuer à soutenir les gestes barrières. Merci beaucoup. Okay, merci. Alors, les cartons que vous pouvez donner, les 5 cartons. Non, non. Et le reste, on va distribuer.
Nous avons, nous vous donnons également, voilà, vous pouvez vérifier. Ok, merci. Alors, nous vous avons aussi pris des masques. Merci. Des masques chirurgicaux, parce que nous savons que le personnel médical est souvent en manque de ces masques sur les tables d'opération, les salles d'opération. Alors nous avons aussi pensé en vous donnant quelques masques chirurgicaux. Ok, merci beaucoup. Et les restes des masques en tissu, nous comptons distribuer ça aux patients. Merci beaucoup, mais de grâce sans caméra. Sans caméra. Pour les marinades, nous savons que pour la déontologie, nous devons respecter le respect des patients. Donc, merci. Voilà, les caméras, ça va se limiter ici. Je vous mets notre agent des relations publiques. Oui, le commandant. On est là, vous pouvez des malades. Commencez par le pavillon 3. Bonjour, madame. Se présenter pour la bateau Bazoui, occasion à Colombo pour la première fois. Je suis Jeannot Kabouya, l'initiateur des Amis de Fatshi. Nous avons créé les Amis de Fatshi depuis 2018. C'était pour soutenir et accompagner le candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Mais entre-temps, Félix-Antoine Tshisekedi est devenu président de la République. Alors, notre association et l'association Amis ADT, donc les Amis de Maman Denise, nous nous sommes dit, nous allons continuer à soutenir les actions du chef de l'État et de la Première Dame. Donc, le chef de l'État et la Première Dame ne peuvent pas être partout à la fois. Nous, en tant que leurs ambassadeurs, nous pouvons nous déplacer et nous pouvons les épauler, les soutenant. En allant sur certains sites pour faire des œuvres caritatives dans lesquelles nous offrons par exemple des masques comme nous le faisons aujourd'hui. Alors tout ça, ça s'articule, si je peux le dire comme ça, dans un cadre de citoyenneté. Donc aujourd'hui, quand nous distribuons ces masques, c'est pour rappeler que la maladie du coronavirus est toujours là et qu'il faut continuer à se protéger. Alors comme vous voyez, nous sommes aujourd'hui avec nos masques, mais nous devons également faire passer le message, c'est que les personnes ne savent pas souvent comment mettre le masque. Le masque doit être mis comme ça entièrement. Si vous mettez le masque comme ça, vous n'avez rien fait. Si vous mettez comme ça, vous n'avez rien fait. Il faut se couvrir également le nez. Ça permet en fait de se protéger, de ne pas être infecté. Et si une personne est par exemple souffrante, ça permet aussi de ne pas infecter les autres parce que la salive reste au niveau du masque. Donc c'est pour ça que nous faisons passer ce message préventif pour que nos compatriotes sachent l'utilité du masque et comment s'en prémunir, comment le porter. Mais sinon, Bato Bazoula Ndabiso Baroloba, chef de l'État, à Longoli, état d'urgence Namboka, le Fonani Bino Bobazi pour distribuer sous ma masque, la moment Oyo, Mboka est sur l'état d'urgence. État d'urgence. Et puis, bah, tout le monde va dire que le masque est en train de se faire. Il y a un moment où il y a un corona, il y a un peu de se faire pour malade. Bon, Gaï n'a pas de polémique. Et le corona, c'est que il faut comprendre le Moko. Tant que chef de l'État, l'obaki que tu lèves état d'urgence, ça veut dire que bah circonscrire maladie, maladie est zali, maladie est longuette, mais que on a réussi y a pour faire chuter ascension y a maladie nakati amboka. Mais y est moko l'obaki na message na y est que maladie est zali pour continuer pour se protéger. Mais wana bo bosani bino bo garder ba lever état d'urgence ba tout bazo continuer ko respecter ba geste barrière. Nzoka ba geste barrière est très important, ça veut dire distanciation sociale pour la taba masque et pour sokola maboko ko tia ba gel oyo to yaki nango ba gel ya alcool est important ya ko utiliser ya ko continuer pour respecter bah, geste barrière. Donc il faut que le message wana ait continué. Yangwana toye pour sensibiliser. Maladie est kaka na mboka na biso. Ceux qui toujours kanisa que maladie est kei,
Tozomiko ça parce que tout le monde n'a pas beaucoup mis sous comme par exemple en France, en Belgique, même en Chine, maladie et zongi les sous makasi. Parce que bah tu vas quand ça dit que le cola tout ça là qui bah geste barrière que maladie est silly que bah tu vas respecter les sous bah prévention et ça les nini ça remonter. Quand tu mati lissousou, tu vas faire lissousou. Donc, il faut que tu aies la wana en tant qu'ambassadeur, il faut continuer à faire ce message pour que les malades soient continuer à se protéger. Je pense que tu as douté que le coronavirus est mort et que tu as malade. Est-ce que vous voyez que, par exemple, dans le cas de l'hôpital, tu as eu le coronavirus, tu as eu le hôpital, tu as eu le bela. Na ba oyo baza peut-être na ba maladie misusu ba tunyoso ba kimi ba hôpital. Et donc soki bazo kimi ba hôpital, c'est parce que maladie ezali. Sinon pourquoi boko kimi ba hôpital? Ba tumisusu bazo lo ba que maladie ezate parce que je dirais que eza mauvaise publicité oyo bazo sala. Eza message moko ya mabé oyo bazo pe ça. Maladie ezali. Batu bazo kufa je crois que bozo monango na ba média que batu bazo kufa coronavirus bomoni na États-Unis il y a eu déjà plus de 50 000 morts les a ébélé na ba Belgique il y a eu 9 000 morts na ba France il y a eu plus de 27 000 morts na ba Angleterre donc koloba que maladie ezate je crois que eza message moko ya malamuté et ce n'est pas responsable biso toza ba responsable. Il faut continuer à faire ce message pour Batou, pour comment se protéger. Merci d'accord beaucoup. Parce que il faut qu'on ait que dans le cannabis, dans quel état sont les hôpitaux. Et c'est que tout ça, la prévention, on a parce que ceux qui ont été belli corona, il y a un moyen de faire des cannabis. Alors, je crois que dans le cannabis, tout ça, mon côté. Vous avez naba ami de maman Denise. Donc tu peux ça va ngopé maloba. Là ku batiki la gar papa t'acheté. To batiki la gar maman t'acheté. Moni le long, ce qui nous est un peu clair, bango ba yena ba cache ni juste une ba gel. Donc tout ça l'équipe au symbiose ils allaient juste pour toi accompagner couple wana, parce qu'on a tâché belé. C'est vrai que le gouvernement a mis en place une association. Il faut que l'action soit en place. 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 Il faut que la population. Prochaine descente, il y a les amis de Fachina, ADT, Action de Nichilongo. Tous les Labinoa, plutôt Congolais, qui n'ont pas de Labinoa, ni Nissou, beaucoup apporté sur le terrain. Basé la biseau partout, on a la RDC, pour tous les autres, on a la RDC Mobimba. Et tout le monde a la RDC Mobimba. Si on a la COVID, il y a tous les autres qui ont la RDC, on a la calendrier, on a la RDC, 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 moi aussi, Nabiso. Le présent ne peut pas se démultiplier partout. Donc nous devons aussi, et c'est de notre responsabilité, d'aller là où nous pouvons aider, nous allons à son nom. Et donc, comme ça, nous continuons à soutenir cette vision qui est la vision du changement et d'un état de droit. Un état de droit, ça veut dire qu'il faut que le peuple puisse manger aussi à sa faim. Ça veut dire l'égalité aussi. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales. Alors, ce qui fait que quand nous venons voir les personnes qui sont abandonnées, nous devenons comme leurs avocats, les personnes qui pouvons à un moment aller raconter leur détresse auprès du chef de l'État, dire au chef de l'État que regardez, la situation des handicapés, c'est celle-ci. Les handicapés, il faut aussi leur donner une place. Et d'ailleurs, vous avez vu, dans le gouvernement, on a mis aussi une personne qui a un handicap. Donc c'est pour montrer que nous n'oublions pas les personnes qui vivent avec handicap. Et nous devons être partout, nous devons aller partout pour accompagner et soutenir l'action du chef de l'État pour que le Congo soit un Congo fort et que le Congo puisse aller de l'avant. Monsieur Jamon, pour nous éviter, déjà combattant,
Oui, on veut travailler pour venir chef de l'État. Mais ça, tu as dit que tu travailles pour venir chef de l'État, pour le gouvernement, il y a tout le monde. Tu as dit que tu as Maman, le problème est là pour tabater. Le problème ici, c'est de s'entraider. C'est l'entraide. Awa, Batou et Bazawa, baillé de manière bénévole. Baillé parce que pour apporter contribution à Bango en aidant pour que le Congo puisse devenir un Congo fort. Donc, Makambouyako Kaba, tout le Ngolango n'a pas esprit n'abissé. Tout à la d'abord, Congo Liboso. D'accord? Parce que ce qui est Congo et que Liboso, ma Boumounabiso Pé et Kotonda. Monsieur Jeannot, aux combattants, aux ménages qui combattent, yo, et pour y pour servir, vous travaillez pour venir chef de l'État. Bon, on prend un bateau, bazo la nouvelle, bazo va combattant, mais bon, bazo va la la vidéo, tout ça, baline que vous n'êtes pas travailler. À mon point d'abord. Mais le Congo est en train de changer. Il faut que Bande Banabisoba évacue. Aujourd'hui, on ne va pas tout changer d'une baguette magique. Voilà Bandeko, avant il y a aussi sa émission la bis autoroutier la bino par image. Et vous savez que le chef de l'État avait aussi demandé que l'Unikin puisse être réhabilité. Donc Kenda qui sur place, on a total là, état d'avancement, il y a des travaux à l'autoroutier la bino par image, Bolanda. Bah, travaux est aussi là dans combien de temps normalement? Janan, non? Oui. Na katcha bazalite. Mais ba responsable ba sa place ministère de Sarma. Ba 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 fa ina ba. Ne nous font pas là. Très bien. Ils ont distribué trois douches ici. Ah ok. Dans les deux comme ici. Oui. Un et deux seulement. Voilà Bandeko, Tokomi Nasuka, émission Nabiso. Merci Nabino Nyonso, tout pour le Bolanda Kibiso.
À très bientôt. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'humble odeur de votre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo. Bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, ton secret soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous les